Nous allons faire aujourd'hui la leçon de lecture 10 où nous allons voir trois nouvelles syllabes. Po, pou, pois. Voici les lettres et les sons de la leçon. Voici le P qui fait P comme dans poule. Voici le O qui fait O comme dans orange. Voici le O et le U qui ensemble font OU comme dans loup. Et voici le O et le I qui ensemble font oua comme dans roi. Et maintenant voici les syllabes. Je te les présente. Po, c'est la syllabe po. Pou, c'est la syllabe pou. Pois, c'est la syllabe pois. Regardons chacune de ces syllabes une à une. P, O, ensemble ça fait po. P, O, ensemble, ça fait pou. P, oua, ensemble, ça fait pois. Maintenant, à toi de faire. Que fait la lettre P? Ça fait le son P. Que font les lettres O et I? Ça fait le son OUA. Et ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait POIS. POIS. Que fait la lettre P? Ça fait P. Que font les lettres O et U? Ça fait OU. Et ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pou, pou. Que fait la lettre P? Ça fait p. Que fait la lettre O? Elle fait O. Et ensemble, ça fait ça fait po. Po. Regarde, j'ai installé les trois syllabes. Je vais te dire une syllabe et toi, tu vas montrer la bonne. On y va. Peux-tu montrer la syllabe po? Je redis po. Tu as trouvé? Po. P. O. Po. Et maintenant, peux-tu montrer la syllabe pou? Je redis pou.
Tu as trouvé? Pou. P. Ou. Pou. Peux-tu montrer maintenant la syllabe poids? Je redis poids. Poids. P. Wa. Poids. Regarde, voici les trois syllabes que j'ai installées autrement. Je te montre une syllabe et toi, tu dois dire laquelle c'est. On y va. Quelle est cette syllabe? P. O, ça fait po. La deuxième. Quelle est cette syllabe? O, ça fait pou. La dernière. Quelle est cette syllabe? Wa, ça fait poids.